Voici l'exercice du jour. Ramenez-moi une créature à plumes. La plupart des oiseaux de notre vallée volent le jour et se réfugient dans leur nid la nuit. Vous avez dû voir des mouettes et d'autres oiseaux plus loin. Ces oiseaux communs suffiront pour la leçon d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire mieux. Pour ceux plus ambitieux qui souhaiteraient m'impressionner, dirigez-vous sur les hauteurs entre le coucher et le lever du soleil. Une buse serait très bien vue. Et avant que vous ne posiez la question, les poules de notre village sont arrivées ici avec nos ancêtres. La leçon ne sera pas validée si vous me ramenez un oiseau apprivoisé du jardin de vos parents. Je ne peux plus ignorer l'emprise qu'Alia a sur moi. Elle est venue me voir seule alors que je parcourais l'école surplombant la vallée. Je sais que l'attirance est mutuelle. Je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais, ne devais pas. Pourquoi mon rôle au sein du peuple m'interdisait une telle folie. Pourquoi je ne pourrais jamais la rendre heureuse. Mais mes paroles ne pouvaient rien y faire. Tandis que je parlais, mes bras se sont tendus pour l'enlacer, et nous nous sommes embrassés. Cela faisait si longtemps. Je suis toujours humain. Vous êtes vivante. On a emmené presque tous les blessés en lieu sûr, mais les envahisseurs sont revenus. Ils se sont emparés du haut. Un groupe d'entre nous est en train d'organiser la résistance dans la vallée. Un coup de main ne serait pas utile si vous repassez par le village. Soyez prêts.
Et un cœur. Vrai. Mais la prime n'en valait franchement pas la peine. Ouais. L'un d'eux s'est rendu. Mais les gars de l'organisation étaient là et ils ont tout vu. Du coup, j'ai pas eu le choix. Ils les ramènent à la vieille prison ? Seulement quand ils les soupçonnent d'avoir des infos sur l'Atlas. Constantin veut leur poser quelques questions. Il emmène les autres près de la cathédrale. J'en connais un qui va passer du bon temps. C'est sûrement eux. J'espérais qu'on tire une sorte. Ça va sauter ! On va balayer la zone. Là ! Ouvrez le feu ! J'ai joint tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Anna et Constantin commandent les opérations sur le terrain, mais quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un disposant de moyens et d'une influence énorme. J'ai écrémé la liste des sources potentielles, mais j'ai du mal à avaler qu'un membre du Vatican puisse diriger une armée privée. Cela dit, tous les chemins mènent à Rome. Crois-moi, même moi je trouve ça dingue. Mais les gens doivent savoir. Et si je dois crever ici, au moins j'aurai ma conscience pour moi, pour une fois. Et Constantin, je sais que vous lisez probablement aussi ce message. Vous pouvez me faire disparaître, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Et juste au cas où j'aurai pas l'occasion de vous le dire en face, putain. Vous êtes complètement barge. Peuvent finir le boulot aussi. On est attendu à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu.
Des gardes sont venus dans la nuit. Je m'en doutais. J'ai merdé quand j'ai tué le technicien de l'Esquadeco. Je savais que je n'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. Les rescapés ne suffisaient pas, il me fallait quelque chose en plus. Ils m'ont emmené dans la pièce sans fenêtre. J'ai cru que j'étais mort. Et là, Constantin a débarqué. Il a pris ma tête dans ses mains en souriant. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il avait été à ma place autrefois, que j'avais péché, mais que le pardon était encore possible. Je n'ai été qu'un instrument émoussé, s'agitant frénétiquement. Il m'a dit que je pouvais me racheter. J'ai un don. Il faut juste l'aiguiser. Les Trinitaires vont faire de moi une arme. Ils vont me dire où frapper. Oh, j'ai failli pleurer et lui baiser les pieds. Je vais enfin accomplir mon destin. Pour la Trinité. Pour Constantin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout ? C'est tout ce qu'il peut faire ? Tu sais, il y a des... Attention ! On nous attaque ! Là ! Ouvrez le feu ! Cherche à contrer nos moindres actions. Quelqu'un a allumé ce feu en elle. Lord Croft était trop scolaire pour posséder une telle détermination. C'était un lâche.
Mais sa fille est différente. Aujourd'hui, j'ai failli ordonner aux hommes que personne à part moi ne la tue. J'ai peur qu'elle ne m'empêche de penser clairement. Je dois rester concentré. Le but n'est pas de tuer un autre Croft. Le but est de trouver la source divine. Foutue maladie. Oh, elle détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs. Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les Trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore, je revois mon enfance. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. Puis j'arrive enfin à m'arracher au passé, à revenir au présent. J'ai toujours accompli mon devoir, et je compte bien continuer. Sous-estimer l'ennemi. Elias est mort par ma faute. Et nous sommes sans nouvelles de mon père depuis 2 jours. Nous avons besoin de tous nos effectifs pour repousser les Trinitaires. Mais il semble qu'il nous ait donné le coup de grâce avant même que le combat commence. Notre foi est toujours aussi forte, mais à quoi sert-elle contre un ennemi qui gagne en puissance de génération en génération? Si nous survivons à cette attaque, je crains que la suivante ait raison de nos enfants.